François Baldo, directeur marketing chez GIR, en charge de la marque Crazy Tiger, la jeune marque française des boissons énergisantes numéro 3 du marché. Shopnium est aujourd'hui l'une des seules solutions du marché qui nous permet de cibler de manière précise le consommateur avant, pendant et après l'acte d'achat avec des solutions intégrées. Nous avons fait appel à Shopnium pour nous aider donc sur le parcours d'achat des consommateurs en amont du point de vente avec des solutions d'audience extension pour nous permettre de cibler de manière précise sur les réseaux sociaux nos consommateurs. Pendant l'acte d'achat, au travers de l'application Shopnium, avec un parcours intégré et qualifié pour pouvoir recruter de nouveaux consommateurs. Et ensuite, sur la partie data, pour mieux comprendre notre marque et mieux travailler nos activations futures. On était très contents des résultats qu'on a obtenus avec les équipes Shopnium. Sur la partie en amont du point de vente, on a réalisé un taux d'engagement x3, x4 par rapport au benchmark sur les réseaux sociaux. Sur la partie de l'application, on a généré quasiment 5 millions d'impressions qui nous a offert une belle visibilité et un taux de conversion à 17%, ce qui nous a permis de recruter sur la marque. Ensuite, sur la partie de data, on a récolté plus de 2300 avis qui nous ont permis de mieux comprendre notre marque, nos produits et l'efficacité de nos activations. Avec plus de 2300 avis, on a pu d'un côté s'assurer de la supériorité de notre marque en étant la boisson énergisante préférée des consommateurs français avec une note de 4,5 sur 5 au-dessus de la moyenne de la catégorie. Et d'un autre côté, on a aussi pu approfondir la perception de nos produits par les consommateurs avec des verbatim qui nous ont permis de mieux comprendre aussi les usages et habitudes qu'ils font avec nos produits. Travailler avec les équipes Shopnium a été très agréable, ce sont des équipes qui sont expertes de leurs solutions et très réactives et surtout qui font preuve d'une grande flexibilité et adaptabilité par rapport à nos enjeux de marque. À titre d'exemple, lorsqu'on a parlé d'extension d'audience, on est sorti de ce qui était fait initialement dans l'offre pour pouvoir arriver sur les réseaux sociaux, ce qui était une première pour les équipes de Shopnium et qui a montré de très bons résultats et qui, je pense, permettra à d'autres marques de pouvoir faire la même chose.